Ici, nous allons démontrer que pour n'importe quel angle alpha et bêta, on a sinus de alpha plus bêta fois sinus de alpha moins bêta est égal à sinus au carré de alpha moins sinus au carré de bêta. Pour démontrer cette formule, nous partons du membre de gauche et nous appliquons d'abord les formules d'addition pour le sinus et ainsi nous obtenons ce produit-là. Maintenant, on pourrait appliquer la double distributivité, mais nous voyons aussi que on a A plus B fois le même A moins le même B. Donc, on peut appliquer le produit remarquable. A plus B fois A moins B est égal à A carré moins B carré. Ainsi, on est un peu plus rapide. Nous voyons que dans la réponse finale, il n'y a que des sinus. Et là, il y a cosinus, là aussi. Donc, nous allons transformer ces deux cosinus en sinus. Par la formule fondamentale de la trigonométrie, nous savons que le cosinus au carré de bêta est égal à 1 moins le sinus au carré de bêta, idem pour cos carré de alpha. Ce cosinus au carré de alpha est égal à 1 moins sinus au carré de alpha, comme ceci. Ensuite, nous allons distribuer ce sinus au carré de alpha sur ces parenthèses, ainsi que ce moins sinus au carré de bêta sur ces parenthèses. Nous obtenons cette somme-là. Nous observons que ce terme-là se trouve également à la fin et ils sont munis de signes opposés. Par conséquent, ces deux termes-là tombent et ce qui reste, c'est justement la différence de ces deux sinus au carré qui était demandée. Donc nous avons bien démontré que ce produit est égal à cette différence, ce qu'il fallait démontrer.